Précédemment, dans QDF, vous avez pu découvrir la totalité de l'effectif National 3 lors de la soirée partenaire chez Peugeot. Suite à ça, on est parti jouer le 5e tour de la Coupe de France contre Sanssat-le-Grand, une équipe de Regional 3. Ce déplacement a été l'occasion de découvrir Lucille, la guitare de ce diable de John avec laquelle il a enfin chanté, plus de 2 mois après avoir esquivé son bizutage. Je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une chanson de Zao qui s'appelle « Je te promets ». Si vous me laissez chanter avec moi, s'il vous plaît, tapez pas des mains parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sens du rythme ici. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. Un moment de douceur qui a été de courte durée avant le traquenard qui nous attendait face à cette équipe de R3 qui nous a chauffé sur les réseaux. À 2 doigts de tordre des salopes. On va les tuer. Et qui s'est clairement montrée bien rugueuse. Le tout dans une très grosse ambiance digne de la Coupe de France. Malgré une énorme domination de notre part avec de nombreuses occasions, ils ont réussi à nous accrocher et nous amener au tir au but. Une séance interminable avec 100% de but jusqu'au 12e tireur. Donc qualifié pour le 6e tour de la coupe, du coup plus qu'à un match de potentiellement jouer les équipes de Ligue 2. Cette qualification vient donc confirmer notre superbe début de saison car pour le moment tout nous sourit, on est premier du championnat national 3 et toujours qualifié en coupe. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF, vidéo très importante puisque là je pars direction l'entraînement pour préparer le 6e tour de la Coupe de France, ça commence vraiment à devenir sérieux, surtout qu'on n'est plus qu'à un petit tour de potentiellement égaler le record du club qui, vous vous en doutez par déduction, est le 7e tour de la Coupe, mais pour ce match, je ne peux pas être dans le groupe, je ne peux pas jouer. Pourquoi, vous allez me dire? Eh ben tout simplement pour ça. Pour la petite anecdote, en fait, quand on prend 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs, on est suspendu un match, tout simplement. Pour ce match-là, forcément déçu parce que déjà on a envie de tout jouer, on est compétiteur et en plus de ça, la Coupe de France, c'est une compétition qui me tient à cœur. Voilà, la magie de la Coupe, c'est des gros matchs où il y a souvent du monde, etc. Donc un peu déçu, mais c'est le jeu, je suis défenseur. Et du coup, ce week-end, il va être un petit peu spécial pour moi parce que habituellement, si je suis blessé, suspendu ou quoi que ce soit, je vais toujours voir mon équipe jouer, ça me tient à cœur. Mais là, c'est un petit peu particulier. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, de base je suis originaire de Nice et là ça fait plus de 3 mois que j'ai pas pu rentrer ne serait-ce qu'une seule fois chez moi. On n'a même pas eu 2 jours de repos à chaque fois, c'est toujours très intense, donc ça peut être une opportunité assez sympa de se ressourcer, mais encore je pense que je serais même peut-être resté à Dole s'il n'y avait pas un deuxième élément qui est tout simplement ce que je vous ai déjà expliqué il y a 2 QDF. J'ai mon frère qui vit en Nouvelle-Zélande depuis maintenant plus de 10 ans, qui n'était pas revenu en France depuis 3 ans à cause de ce diable de Covid. Et donc c'est tout simplement l'occasion pour moi de profiter de la famille, de revoir mon frère 2 petits jours de plus avant qu'il reparte en Nouvelle-Zélande dès la semaine prochaine. Et vous le savez, la famille, rien de plus important. Donc exceptionnellement, je ne serai pas à Dole ce week-end. Allez, bref, voilà, tout est dit. Maintenant la team, on se retrouve à l'entraînement. La team ce week-end, qui va s'occuper de nous réaliser un bon QDF? On la donne à qui la caméra? Tu veux quoi comme vidéo? Je veux que ce soit encore mieux que les QDF. Hein. Si tu veux que ça parte en couille, donne à Adri. Donc ce serait toi qui aurais la caméra? Ouais, j'ai la caméra. Non. Si tu veux une vraie vidéo carrée, donne à John. Il a raison. T'aurais pas envie d'avoir cet honneur? T'en meurs d'envie, c'est ton honneur. Moi c'est pas mon... Moi je suis là comme ça, mais je filme pas. J'ai un autre rôle, j'ai pas ce rôle là dans la chaîne, c'est ça que je veux dire. Keno, je la donne à qui la caméra? Je la donne à qui la caméra? Oh, à John. À John? Ouais. John, ça va être lui le boss. Ouais. John, l'équipe a voté. Non, je t'ai dit, l'équipe a voté. Avec John, les abonnés ils vont se sentir comme à la maison. Non, là, si tu veux juste au carré. Ok, qui vote pour John? Levez la main. Adri, tu lèves la main ou tu coffres? Je lève les deux mains, frère. Non, moi j'ai tendu, ça serait très vite. Ah, tendu, ça serait quand même quelque chose. Toi, t'en penses quoi? À John? Ouais, je suis d'accord. Noah, au John aussi? John, c'est avec une immense fierté que je te donne, je te confie la caméra. Je sais pas si j'ai les épaules pour. Moi, je pense. Vraiment, tu vas faire vivre le week-end ce qui se passe. C'est toi le boss. T'imagines? J'ai un vieil iPhone. C'est pas grave. Et regarde. Tu me laisses... Ah, tu me laisses ton iPhone? Bah oui, bien sûr. Tu me laisses la voiture. Je te laisse une caméra. Tu me laisses une caméra. C'est bon? Tu me laisses la voiture aussi? On se sert à main? Ah, je peux avoir les clés de l'appart, j'ai plus internet. Il a ma femme à internet. John, on compte sur toi. Ouais, la team, comme vous l'avez vu, il a atteint les 200 000 abonnés. Pour les 200 000 abonnés, il a décidé de se payer un petit week-end de vacances. Donc, du coup, c'est moi qui vais être avec vous pour vous présenter le match d'aujourd'hui. On va passer toute la journée ensemble. Accrochez-vous, ça va être mais 1000 fois mieux que tous les QDF. Mille fois mieux que tous les QDF que vous avez vus jusque-là. Avant que je vous présente la journée, mettez un gros pouce bleu pour Val parce qu'il m'a demandé d'être en charge du vlog aujourd'hui. C'est un vaillant quand même parce que là, il est 9h55 du matin. Je me suis réveillé et pour être franc avec vous, j'ai pas envie de me filmer. Mais Val, il le fait tous les jours de match pour vous. Et ça, ça mérite un pouce bleu. Donc comme je vous l'ai dit, on est le matin, on commence la journée tout doucement avec un petit déjeuner. Je vais vous montrer mon petit déjeuner. C'est pas quelque chose que Val fait, mais comme je vous ai dit, le vlog d'aujourd'hui va être beaucoup mieux. Petit déjeuner tout simple, œuf, pain, café et le fils qui dérange. Tu me déranges. Le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue une R1, l'US Dijon. Match de coupe. Je vais pas vous refaire la même chanson qu'on vous chante chaque week-end de coupe, mais bien que ce soit une R1, le match va être tendu. On joue à la maison, donc sur un bon terrain. Je pense que ça, c'est clairement à notre avantage, mais... Voilà, ça reste un match de coupe. Les matchs de coupe, Noah, merci. Les matchs de coupe sont souvent compliqués, à l'image de notre match qu'on a eu la semaine passée. À titre personnel, aujourd'hui, je pense que je vais probablement jouer latéral droit. Il y a moyen que mon défenseur central, ça soit Choupinou. C'est la première fois, je pense, qu'il va jouer défenseur central. Donc, on va essayer de le prendre par la main et puis de... Clairement, le but, ça va être d'essayer de lui faciliter le match le plus possible parce que ça reste mon poste de métier et lui est tout nouveau au poste. Mais j'ai entièrement confiance en lui parce que Joe, très dur sur l'homme, duel, il va en perdre aucun, je sais. Et dans la relance, je pense qu'il peut nous faire beaucoup de bien. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pronostic du match, je pense que on va gagner combien aujourd'hui? 2000 years later. 2-0 2-0 pour Jura Dolois? Oui. Allez, feu. Transi. Je sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi quand je le fais, ça passe pas un autre truc? Transi. Bref. Faut que je vous pose le contexte, la team. Mon frère se sent un peu mal hier soir, rien d'alarmant, mais là au réveil, ça va pas du tout. Mais il se fait tester quand même pour le Covid par sécurité. Et il est positif. Je suis rentré jusqu'à Nice, 6 heures de route, pour voir mon frère, et il a le Covid. Bon, on va s'adapter, on va passer une journée un petit peu différente, mais je vais pas vous mentir, j'ai le seum de ouf. Bon, la journée avance tout doucement. Il est maintenant 12h50. Jour de match perso, je sais pas comment on va le faire, mais j'ai pas de rituel vraiment. Y a deux choses que je fais tous les jours de match. Boire au moins 2 litres d'eau et me raser la tête. Mais comme on a eu shooting photo hier, ça c'est... déjà fait. Donc pas grand chose à faire aujourd'hui. Je vous avoue que j'aime pas trop réfléchir à mon match avant l'heure du rendez-vous. Donc ce qu'on va même faire dès maintenant, c'est faire le sac. Comme ça, tout est prêt. J'ai plus à penser au foot, à mon match. J'ai fait ma journée, je m'occupe jusqu'à ce que ce soit go time. Alors la pile de tout ce qui va sur le bas du corps, short d'échauffement, pantalon, cuissard pour le match, tout ce qui va sur le haut du corps, maillot d'échauffement, survêt, chaussettes, tip top, chaussettes de match, semelle, orthopédique, claquettes. Pour la douche après la victoire. Ah, les deux paires de crampons d'aujourd'hui, je sais pas encore lesquels je vais mettre. Je fais un petit sondage sur Insta. Je pense que j'ai vraiment envie de mettre les F50. Histoire de jouer comme John de 2012, mais on va voir. Et la trousse de toilette. Donc le sac est fait. Comment il fait ça à une main, ce gars-là? Putain, c'est trop dur! Mais il n'y a rien de plus compliqué que cette merde! Repas terminé, on va chercher le petit qui se réveille de sa sieste et on va le donner à sa maman parce que on se rapproche de l'heure du match, c'est go time. Est-ce que tu peux leur dire comment t'as dormi? Tu veux pas leur dire comment t'as dormi? Non? Bah t'as bien raison. La team, regardez où je suis, derrière le stade où va jouer la réserve de l'AS Monaco avec notre fameux John Venzi. C'est un gros derby en Régional 1 parce que là actuellement Monaco et John Venzi, alias l'escargot, pour ceux qui ont la rêve bien entendu, les fidèles abonnés, bah, ils sont classés à la 2e position et ils affrontent les premiers du championnat qui sont l'AS Vence. Là aujourd'hui c'est le duel des John. On a d'un côté John Dinkota qui anime le vlog à Dole et de l'autre John Venzi qui va j'espère nous régaler aujourd'hui. Donc bref, hâte de revoir le frérot John, Zébardi. Découvre le complexe. Tu connaissais toi, Thiago, non? Ouais, je connaissais. Je me suis entraîné un an ici quand j'étais à Monaco. Mais normalement, c'est là où jouait la M2 de l'année dernière. Ok, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est en train de s'échauffer? Est-ce qu'il est en train de régaler? Ah ouais, je le vois, tu vois. Avec sa tête gérante. Faut lui faire un signe de tête. Coucou. Et là même, c'est incroyable. Donc non seulement Monsieur Thiago est là, John Venzi est sur le terrain, mais il y a même Thomas Calvo, le pronostiqueur fou. Aujourd'hui, je vois les choses en grand. C'est 3-1 pour le BSJB. Il y a beaucoup d'espoir sur ton prono là. On en fait 3. On dit 3-1, 3-0. Aujourd'hui, ce sera 3-0 pour le PSG. Net et sans bavure. Un dernier. Le dernier 4, non, 4. Je le sens, le 4-0. Écoute-moi. Ok, on voulait savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Il va se passer 4-0 pour le PSG. C'est affirmé, quand tu mets les 4 doigts comme ça, ça veut dire... 4. Pronostiqueur fou du BSJB, c'était notre deuxième gardien l'année dernière, qui joue lui avance par contre pas à Monaco. Du coup pour toi, Thiago, qui est le vrai John? Le vrai John? Ouais. Pour moi ça reste quand même John Venzi. John Venzi, indétrônable. Il a prouvé sur le terrain, après j'ai pas encore vu l'autre John, mais John Venzi m'a fait rêver plusieurs fois sur le terrain. D'accord, ok. Je vous invite à voter dans les commentaires. Si pour vous le vrai John c'est John Venzi, vous mettez un emoji escargot, hashtag vrai John. Et si c'est John Dinkota, vous mettez 2 épées comme ça, hashtag vrai John aussi. Bon l'équipe, on est parti pour le match. Depuis que je suis arrivé à Dole, c'est cool parce que j'habite à quoi, 5-10 minutes du stade. Ça fait que tous les jours de match à domicile, je marche jusqu'au stade. J'aime bien, calme, puis ça me laisse du temps un peu pour faire le vide avant de lancer tout ça. On reste 5 minutes avant d'arriver au stade. On a le QDF pour nous. Val est pas là. Venez, on se dit ce qu'on pense vraiment de Val. Laissez-moi un commentaire en dessous avec un truc que vous appréciez chez lui et un truc que vous aimez pas. Je pense que je vais me lancer. On va commencer avec le positif. J'aime bien l'authenticité de Val. Je trouve que le gars qu'on voit devant la caméra et celui qu'il est au quotidien, il n'y a aucune différence, franchement. Il a un très mauvais poker face. Donc, quand il s'énerve ou quand il s'impatiente, bah, ça se lit tout de suite sur son visage. Et ça permet vite de connaître les vraies limites de la personne. Et moi, ça me plaît. Et si je me permets même de sortir, une deuxième chose que j'aime bien, pour ceux qui ne savent pas, j'ai reçu Val dans mon podcast. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast au cœur du jeu. Allez, follow ça. Fort sur YouTube et sur Insta, de voir que la chaîne YouTube, que QDF, que tout ça part vraiment de la passion. Tu sens tout de suite que le gars, ses yeux s'illuminent, que c'est quelque chose qui lui plaît, qu'il aime parler de ça. Ça n'a jamais été des réponses à la va-vite. Il prend le temps de vraiment bien conseiller. Donc voilà, je me lâche un peu, mais c'est le deuxième truc que j'aime bien chez Val. Et le truc que j'aime pas, cette histoire de diable de V, l'équipe, parlez à votre gars, qu'il arrête. Je trouve ça kitsch. ça m'irrite. En plus, il a engrainé Jo. Maintenant, lui, c'est diable de C. L'autre, c'est diable de V. Les deux, c'est diable de VC. Je sais pas si c'est parce que j'ai un fils, mais je me dis, imagine, je vois mon père sur les réseaux faire des diables. Ah, je sais pas, ça mérite. Dis ciao. Ceci est un diable de V. La team, A+, on s'attrape, peace, je sais pas. Mais diable de V, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Ah, ça fait du bien d'avoir vidé mon sac. On arrive au stade. Donc ma promenade arrive à sa fin. On se dit à tout de suite à l'intérieur du stade. Numéro 10, aïe aïe aïe, le numéro 10, c'est fou, on aura tout vu. Première bonne action de John Venzi, il est dans son match. Petite passe extérieure, là il me regarde, il se dit est-ce qu'il a filmé ou pas? Est-ce qu'il a bien filmé? Pour information, John a pris John. J'ai déjà fait mieux comme... John a pris un John. John a pris un John. Voilà. Peut-être hier, je l'ai chauffé, je lui ai dit ouais, je suis suspendu. Regarde, il parle encore à l'arbitre. Concentre-toi à John. L'arbitre, apparemment, il a dit arrête de prendre la grosse tête. Et John, il a dit mais tu vois pas que c'est impossible. Ouverture du score de l'AS Monaco. But incroyable de John. Non, c'est pas John, mais bon, tant mieux. On est content. Pour le moment, John est au milieu de terrain. Il fait son petit match. Pas beaucoup de ballons, mais il fait bien ce qu'il faut. Sortie de John Venzi à la 70e minute qui cède sa place. Tu trouves qu'il bougonne un petit peu? Ouais. John est sorti à 3 minutes chrono, 2-1 pour Vence. Coïncidence. T'as réussi à lui prendre sa chaîne. Moi j'ai essayé pendant très longtemps, j'ai pas réussi. Pourtant j'avais tout pour. J'avais tout sauf les épaules. Toi t'es arrivé, t'as eu les épaules. Bien, on change les mots de passe et tout. On prend sa chaîne. John, t'es chaud ou pas? On fait un collectif à 3. Vous pouvez me dire les gars un truc que vous appréciez pas chez Val. Il casse la tête, il étendait le linge n'importe comment à chaque fois, ça c'est jamais bien. Il mettait un t-shirt sur un autre t-shirt. Gros, ça pue, tu dois le relaver, mais ça il voulait pas l'entendre. C'est une personne de confiance. Pas avoir 100% confiance en lui. Tu connais bien ton effectif, de moins une qualité, un défaut de Val. Là on commence par les défauts hein. Pourquoi le défaut ça vient tout le temps au plus vite? Ça se la raque trop entre lui. Ouais je suis d'accord. Lui. Mais attends, attends, Adrien. Mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Il t'a juste demandé un défaut, une qualité de Val, tu parles de nous tous. Ah de Val? Non du groupe, Non j'ai dit de Val. Il a dit de Val. Non du groupe. Je te le dis en turc. La vie de ma... On recommence. Lui voulait tous nous terminer déjà. Alors lui, Adrien. Alors lui, Valentin, ouais. C'est une merde. T'as créé un compte Insta, il t'a fait monter à 1000 abonnés en combien? En 7 minutes. Des fois, je suis grave sérieux, il est loin derrière, il m'appelle, je le regarde et il se retourne comme ça. Il fait chier, il bluffe. Il fait le gamin. Il est un peu trop enfantin encore. Voilà. Ça peut être un défaut. Mais il a dit c'est une merde, c'est un défaut. Parce qu'il se la... Oui, mais je voulais que ça passe un petit peu mieux. On n'est pas là pour ça. Une qualité? Excuse-moi pour la... T'as pas besoin de t'excuser, t'es capé. C'est un super bon gars. Mais c'est une merde. Non, mais c'est un gamin. Est-ce que tu peux nous le présenter? C'est quoi? T'es le seul gars qui a pas encore été présenté du groupe? Je crois. Tierno Diallo, un joueur très important de l'effectif en plus. Important, je sais pas. Si, Goléador, 2 week-ends d'affilée. Là maintenant il est en place, tu vois, il arrive main dans les poches. Tranquille, en détente. Est-ce que tu peux nous le présenter vite fait? C'est difficile. Tu veux nous parler de son penalty, Marco? J'ai senti vraiment peu de maîtrise dans le penalty. Voilà, ça fait but les gars, maîtrise de ça, fait mouche. Ça fait but. Il a pris intérieur, il a mis un peu à droite au milieu de but. Et il a dit quoi? J'ai voulu viser là. Non, j'ai dit je voulais viser plus côté. Ah dommage, mais j'ai visé au milieu. Je m'appelle Tierno Diallo, j'ai 22 ans et je suis défenseur central. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé le foot à 5 ans, à Montréal-Lacluse, dans un petit club dans l'Ain. Ensuite en U14, j'ai signé à Bourg-en-Bresse où j'ai fait toutes mes classes jusqu'à senior. J'ai pu faire des reprises avec la Nationale. Ensuite j'ai signé au JDF il y a 2 ans. Du coup l'homme en forme du moment? en forme, je sais pas, mais... 2 buts en 2 matchs, décisif. Ouais, ça m'est jamais arrivé ça. Je te jure, je crois que c'est la première fois que je marque 2 buts dans une saison. Ah ouais, à ce moment de la tête comme ça? Ouais, de la tête. Moi je me suis dit, ça y est, c'est le boss, tous les corners, ça va être toi le sauveur. Ouais, le match d'après, je voulais grave marquer, mais bon, j'ai pas pu. Lequel est le plus important? Les deux en vrai. Parce qu'en Coupe de France, il y a 0-0, je marque le premier but. En championnat, 1-1, match galère, 2-1, je marque le 2-1. C'est des vrais buts décisifs. Ouais. Libération. T'as dit quoi? Le chat noir. C'est pas moi le chat noir. Ah oui, ah, regarde, je dois faire une transition. Regarde. Attends. Et voilà, on est avec John, débrief du match. Malheureusement, la défaite. Défaite de 1. Bon, c'est mérité, moi, je trouve. Hein. Franchement, ils ont été meilleurs en deuxième. Ouais. Et ils ont mis les buts qu'il fallait. Hein. Des buts de merde en plus. Hein. Mais après, ils sont solides, ils sont cohérents, tu vois. Et ils jouent bien ensemble. Nous, ouais, c'est que des individualités. Et il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Vas-y, je veux pas le voir. Qu'est-ce que tu penses de... Eh, tu sais pourquoi t'as gagné? Je lui ai dit de pas venir. Parce que je suis là. Mais non, dans ce cas-là, je peux pas être un chat noir pour Thomas, regarde. Bravo mon frérot, bravo. Mon Tom, comment il va? Comment ça va? Hey Thiag, ça va mon frérot? J'imagine qu'il préfère regarder ce match que le Classico. Ben oui, bien sûr. J'ai niqué. Voilà, il n'y a pas d'escargot, il n'y a personne là. Il n'y a rien. Par contre, j'ai pas eu le pronostic d'avant-match, un peu déçu, tu vois. Depuis que je l'ai fait, plus je gagne les matchs. Ah oui, ça change. Pas une frappe, il a fait. Frappe du gauche là-bas, mais elle est partie dans le ciel. C'est vrai. Bon, vas-y, allez. Bon, ben on s'appelle de toute façon, frérot. Toi, t'es encore invaincu. Ouais, moi je reste invaincu, c'est la différence. C'est peut-être le tournant de la saison, John. Hein. Imagine là après ce match. Je vais venir te voir comme ça. Non. Vas-y, ciao frérot. Cette scène, les deux anciens du BSJB qui se retrouvent un an après sous un coucher de soleil. C'est beau. On va terminer là-dessus. Allez, 10 minutes d'attention. On se met sur un 4-3-3 classique. C'est une équipe qui est en R1, ils viennent de monter cette année, donc ça c'est quand même important, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est sur une dynamique positive. Peut-être que son potentiel est encore plus important, donc faire attention à ça. C'est une équipe qui normalement est organisée en 4-2-3-1, c'est plus gros joueur comme équipe, ça cherche plutôt à jouer. Et ils ont par contre un bon attaquant qui a marqué 24 buts la dernière RE. Pour revenir à nous, pour qu'on soit sérieux et respectueux de l'adversaire, on a fait des efforts. Une intensité, notamment des efforts sans ballon, je trouve qu'on n'a pas fait assez. Le rapport de force entre eux et nous, je pense qu'il est en notre faveur. Peut-être qu'il n'y aura pas un écart si important que ça, c'est peut-être une équipe qui vaut des équipes de bas de tableau de L3. Donc on trouve ça dans notre approche très sérieux là-dessus. Le tout positif la semaine dernière, c'est dans le mental, on n'a pas lâché là-dessus, on ne s'est pas démobilisé à la fin du match. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Et c'est clair que le match de la semaine dernière, c'est un vrai avertissement par rapport au match d'aujourd'hui. La deuxième chose, je veux qu'on améliore notre contrôle du match. Il faut qu'on laisse le moins de choses possible à l'adversaire. Dans la gestion et dans l'utilisation du ballon, il faut qu'on fasse bien mieux. Si là on n'est pas bon, là il faut faire plus. Là il faut faire plus. Alors, je ne dis pas que là on n'est pas bon, mais je trouve que par rapport à notre profil d'équipe, on ne fait pas assez là-dessus. On ne fait pas suffisamment dans l'agressivité, dans la détermination pour récupérer le ballon. On attend peut-être un petit peu trop que ce soit le collègue à côté qui le fasse. Non, quand vous êtes au contact du ballon, il faut faire l'effort de récupérer le ballon. Même si ce n'est pas votre qualité première, il faut le faire. Dans ces moments-là, si on arrive à avoir des périodes de 6, 7, 8 minutes où on met l'adversaire en difficulté, où on ne laisse pas respirer, une fois, deux fois, trois fois, je peux vous assurer que la troisième phase dans le match, il va avoir un problème. Et sur la durée du match, il n'aura plus la lucidité, il n'aura plus l'énergie nécessaire pour nous poser le problème. Il faut être capable de faire ça et de faire ça. Et puis ensuite, je dis, là, on soit plus impliqué. Il faut aller vers l'avant, voilà. Il faut jouer vers l'avant, bien joué. Encore. La claque. Ah. Stop. Arrête. Regarde. Le match d'aujourd'hui, globalement, il s'est bien passé. 6-0. Le résultat, pour le coup, il reflète quand même la physionomie du match. Perso, j'ai suivi ça à distance. J'étais là avec mon téléphone à actualiser en permanence Insta pour voir un peu ce que ça donnait. Mais j'ai très vite été rassuré. 1-0, 2-0. Triplé de Wilfried, d'ailleurs, à souligner. Et au final, ils en ont mis 6. Donc, masterclass, qualification pour le prochain tour. Mettre 6-0 à une équipe qui est une seule division en dessous, c'est quand même bien. Ça montre qu'on a été concerné, exigeant et qu'on a été sérieux du début jusqu'à la fin. Donc top, et on égale le record du club en termes de tour de Coupe de France. Arrivé au 7e tour, voilà, on va attendre le tirage. Il faudra passer le tour suivant. Alors là, on sort du match, qualification, grâce au capitaine du jour. Oh, capitaine. C'était pas plus le Capi. Hashtag Capi. Hashtag Capi. Tu préfères le hashtag Capi ou le hashtag Titu? Franchement, le hashtag Titu m'a vraiment saoulé. Enfin, saoulé dans le bon sens, hein. Mais j'ai eu, je crois, autour de 400 commentaires en dessous de ma photo. Donc... Et depuis, t'es titulaire? Et depuis, je suis titulaire. Et même capitaine. Du coup, on s'abonne. Objectif 250K. Objectif 3K. ESM-du-bas, L. On continue la team, hein. On est ensemble. En tout cas, l'équipe, merci. Hein. 200 000. Merci à vous. C'est beau, hein. Comme ça. C'est beau. Très, très beau. On va essayer de vous rendre sur le terrain. Il y a encore des choses à vivre. On continue à suivre. Il y a encore des choses à vivre. Pourquoi? Bon, la team de retour dans le Jura. Et regardez qui on retrouve. Est-ce qu'il a fait du bon boulot? On va le savoir tout de suite, mon John, ça. T'inquiète, toi. Mettez-moi une note sur 10. La note sur 10, tout de suite dans les commentaires. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Content. La victoire 6-0. Un petit vlog. Magnifique. Bien, bien, c'est propre. Bah écoute, hâte de voir tout ça. T'es au courant que là, ça y est, en quelque sorte, il y a eu le duel des John. Dans QDF, il y a eu John d'un côté, John de l'autre. Ouais, tu penses... j'ai gagné. T'as gagné, ouais. Même ça, t'as gagné. Oui, j'ai gagné. T'as gagné le match 6-0, t'as gagné le duel. J'ai tout gagné, ok. C'était ok. D'accord. Le vlog contre toi, la performance de John contre John. Ok. Et voilà. Ça m'étonne pas, te connaissant, désolé John Benzi, hein, j'étais là aussi, j'étais avec toi tout le week-end, mais là je te trahis un peu. Est-ce que c'est parce qu'il est à côté? Peut-être. Hâte de découvrir les rushs, je vais être comme un abonné en fait, ça va être bizarre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, on n'oublie pas comme d'hab de s'abonner, d'activer la cloche, d'aller s'abonner aussi à la chaîne du frérot. On se retrouve maintenant la semaine prochaine pour un très gros match contre une réserve professionnelle contre Sochaux, ça va être du lourd. Ça va être très chaud. Ouais, objectif, on garde la première place du championnat. On fait des diables de V, des diables de J. On dit peace. Non, non. Ok, d'accord, j'ai essayé de faire un J avec toi. Quand tu verras, diable de V, c'est mort. D'accord, ok, voilà. Pas de souci. Ouais, ok, aucun problème. Donc sur ce, à la semaine prochaine. Ciao la team.